pour les 20 ans de Classe Égale à HR et le Koh-Lanta, TF1 propose une saison anniversaire spéciale. Koh-Lanta, la légende réunit les 20 aventuriers les plus emblématiques du jeu. Le premier épisode, diffusé mardi 24 août 2021, a été marqué par le départ de Freddy sur décision médicale. Point et une fin énigmatique. Au conseil, les filles ont voté contre Karima, les garçons contre Hugo. Mais tout n'est peut-être pas perdu pour les deux candidats. Avant la fin de l'émission, Karima et Hugo se retrouvent face à un panneau. Dessus, l'inscription à vous de choisir. Et c'est tout. Quelles hypothèses pour la suite? Sur Twitter, les internautes débordent d'imagination et envisagent plusieurs théories. La première serait qu'en réalité le choix auquel sont confrontés nos deux éliminés concernerait point la formation de deux nouvelles équipes. En effet, les 20 aventuriers sont actuellement divisés en deux camps. Par sexe, Karima et Hugo pourraient être les potentiels chefs des nouvelles tribus. Un retournement de situation qui serait inattendu. Autre hypothèse, un duel. Karima et Hugo pourraient bien s'affronter au cours d'une ultime épreuve. Le gagnant de ce jeu gagnerait sa place dans l'aventure tandis que le perdant serait réellement éliminé. Du déjà vu dans la saison des armes secrètes. En effet, Magali avait trouvé une arme secrète. Un kit ou double, qui lui permettait de défier un camarade en duel au conseil. Le gagnant est immunisé, le perdant a une voix supplémentaire contre lui. Bingo pour Magali qui a remporté le jeu contre Marie, éliminée. D'autres pensent à un scénario inspiré de Survivor, Edge of Extinction, la version américaine de Koh-Lanta. Les aventuriers de l'autre côté de l'Atlantique ont eux aussi un choix à faire après leur élimination, quitter définitivement le jeu ou poursuivre l'aventure exilée sur une île. Sur place, ils se retrouvent entre éliminés. Les plus chanceux peuvent envisager un retour auprès de la tribu d'origine à la réunification ou avant l'épreuve d'orientation. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ce mardi 31 août 2021 afin de suivre Koh-Lanta, la légende avec Denis Brognard afin de savoir si l'une des hypothèses citées est la bonne.